Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ce souhait que Europa Universalis 4 est présentement. On a des troupes par là. Je pense qu'on va les utiliser pour conquérir Mayence à l'occasion. Donc, j'ai lancé mes réseaux d'espionnage un peu partout. Et je vais tout de suite perdre mon accent. Ce sera mieux sans. Bretagne. Ah, j'ai pas eu le Palatinat. Ils ont trouvé un. On reste de même dynastie. Ouais. Friedrich von Wirtelbach. L'Autriche m'apprécie beaucoup. J'espère que si je mange un des électeurs, ils m'apprécieront encore plus. Ou toujours autant, plutôt que encore plus. Nos chances semblent très très réduites d'être élus. Il nous faut l'accepter, hein. Je peux monter à 6 partout. On va lancer. On va acheter un. Modif national d'impôt. On va. On va aller se cacher, je pense. Et on va du coup réduire ça. J'ai un sacré score. Est-ce que je peux réclamer de l'argent? Je sais que ça va un peu me fâcher contre l'Autriche, mais ça rapporte tellement. Ou alors un vassal. Oh, ce serait trop bien. Oh! Il n'y aurait pas de rébellion, hein. Flandre serait assujettie. J'ai besoin d'aller jusqu'en Flandre, en fait, ou pas? Ah, je crois pas, mais bon. Ce serait tellement cool d'avoir un vassal. Mais j'ai absolument pas de quoi avoir une relation diplomatique en plus, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner une relation diplomatique? Les doctrines diplomatiques. Okay. Deux diplomates, deux réputations diplomatiques, le coup d'état diplomatique. Pourquoi pas, je pourrais prendre direct le premier, mais pas le deuxième. Ou alors je peux leur demander plein de thunes. Et. En fait, je peux demander aucune province, c'est un peu triste, mais bon. J'ai trop envie. En plus, ça me colle pas de quoi, hein. Bohème et Brunswick, on s'en fiche un peu. Allez, on est fou. On est des fous. Des fous de fous de fous de fous. Ah mince, j'ai oublié l'histoire des relations. Oh non, je suis trop bête. On va faire ça. Diplomate plus un. Donc il y en a un qui va améliorer. Ah, mariage royal. Hop, c'est fait. Y en a un qui va améliorer les relations avec eux. Et un qui va améliorer les relations avec eux. Ils sont pas dans l'Empire, la Flandre. Non, donc j'ai récupéré des territoires qui étaient pas dans l'Empire. C'est peut-être pour ça aussi que ça me coûtait pas trop cher. Pour l'instant, l'Italie est dans l'Empire, ouais. Enfin, le nord de l'Italie. J'ai juste lâchement abandonné un réseau d'espionnage, je ne sais plus lequel c'est. Oui. On reprend, on est encore à 7. Pour l'instant, j'ai encore un. Oh, ça vaut la peine. Rivaux. Bohème et. Bah, vu que je fais une sacrée taille, je vais pouvoir choisir les mêmes que la Bourgogne, la France et les Ottomans. Les Ottomans et la France, je vois mal. Par contre, la Bourgogne, oui. Voilà, et qui est-ce que. Ils sont alliés à la Hongrie. Ils sont alliés à Bade, la Bavière, la Saxe et la Savoie. Bon,
Bon, l'Autriche, non. L'Angleterre, ils sont loin, pourquoi pas. Venise, est-ce qu'ils entretiennent des bonnes relations avec l'Autriche? Ils ont mis l'Autriche dans leurs rivaux. On va mettre Venise. Hop. Va rentrer maintenant. Bon, ils vont gagner quand même l'Autriche. Pour l'instant, ils sont à 0 de score de guerre. J'ai fait basculer le score de guerre. En même temps, ils m'ont donné les provinces, c'était trop tentant. Est-ce que ça m'a vexé avec des gens? Oula! La Saxe, j'ai perdu beaucoup. Peut-être parce qu'ils me font plus confiance. Confiance plus 1. Ouais, je devais avoir une confiance plus élevée. Bon bah, je risque pas d'être empereur de sitôt. Alors, il y aurait des bohémiens. Aigra, tout ça. J'ai encore du séparatisme. La culture est pas acceptée. J'ai une lassitude de guerre de fou aussi. Les bohémiens, c'est une grande culture ou pas? Culture. La culture tchèque. Ça représente quand même un gros groupe, sachant que moi je suis de culture allemande. Donc tous ceux-là, ils sont plus ou moins acceptés dans mon empire, jusqu'à mon vassal. Je pourrais prendre un autre petit vassal là, par exemple. On va accepter les bohémiens. Les tchèques. Je sais pas pourquoi je dis les bohémiens. Parce que c'était à la Bohème, tout simplement. Le pays de Kingdom Come Deliverance. Et je me dis que si jamais je baisse moi-même. Non, on va pas baisser soi-même. Je vais baisser la lassitude de guerre potentiellement, mais ça va me coûter des points diplo et je voudrais en avoir plus pour pouvoir me permettre d'avoir des relations diplomatiques plus importantes. Plus de relations diplomatiques. Alors, toi, je peux te revendiquer. Hop. Je me demande, niveau revenu du commerce 2,9, est-ce que ça vaut pas plus la peine que je collecte c'est à Raguse que non à Cracovie que je rapporte le plus, donc on va envoyer celui de Raguse là. On était à 2,9 et on est à 2,10. Oh, c'est kiff kiff. Ah, j'avais un emprunt. C'est fait. Faut que j'ai des revenus autres que de l'or pour éviter que ça monte en casque. En j'allais dire en chute libre, mais c'est pas en chute libre, au contraire, c'est en montée très importante. Quand j'ai joué le Congo, donc vous avez la conclusion de la partie sur ma chaîne. Ouais, j'ai joué le Congo et je devais prendre toute l'Afrique, l'Afrique regorgeant de mines d'or. Surtout au Monomotapa par ici. Je suis un peu rué sur le Monomotapa pour avoir toutes ces mines d'or et toutes ces ressources d'ivoire. Et j'étais à la fin de la partie, j'étais encore à 25 de d'inflation et je suis monté à 30 à peu près au maximum. Malgré les doctrines économiques au d'un moment. Si Vienne tombe, ils vont perdre beaucoup de scores de guerre. Moi je dis ça, je dis rien. Là ils sont bien. Oh, 82! Faites la paix avant que Vienne tombe. En plus, c'est l'Autriche qui occupe tout. Non, c'est la Savoie qui occupe tout sauf un territoire que l'Autriche peut prendre. Allez-y, faites la paix! Vous attendez quoi? Que ça tombe? Oh, j'ai eu un cardinal! En fait, ils ont qu'une province, ça sert à rien que je fasse plus de revendications que ça. Würzburg et l'électeur ou pas hein? Non, il y a Mayence, Cologne.
Ouais, je pourrais améliorer mes relations avec Mayence. On va réaméliorer avec la Saxe. Je les ai un peu vexés. Et la Pologne, pourquoi pas? Hop. Bourgogne a annoncé que j'étais son rival. On a les trucs d'armée. On va faire un Munich pendant qu'on a la réduction. Je m'attendais pas à ce que ce soit eux d'abord. J'ai pas trop de... Hollande a annoncé que j'étais son rival. J'ai pas trop de morale, mais ça passe très bien. Combien de pourcentage de chance? 2%, on va dire que ça n'arrivera jamais. On va quand même se mettre à côté. D'accord, je suis rival du Brabant et de la Hollande. Ah, c'est qu'ils ont fait la paix. L'Autriche a eu sa province. Je suis content pour eux. Et ils ont tout perdu. Ah, c'est pour ça, Brabant et Hollande qui m'ont mis en rivaux. Parce qu'ils ont été libérés. À peine nouveau dans l'Empire, paf, ils me mettent en rivaux. Et le Barrois, il a été libéré aussi? Non, c'est la Provence, ça. Mais il y en avait un autre. Il s'est fait manger. Peut-être que la Provence a fait une guerre et qu'elle a regagné la province. Ou alors, ils ont libéré le Barrois qui était à la Bourgogne pour la Provence. Le Bar d'ailleurs, pas le Barrois. Passe, Ulm. On est encore trop haut. Faut que j'aille jusqu'où pour former l'Allemagne, moi? En bas? Je vais vite à atteindre les frontières. Est-ce qu'il me faut des provinces en Suisse, par exemple? Pas l'impression. C'est tellement grand qu'on voit pas trop ce qui se passe. Non, pas en Suisse. Il me faut l'Alsace, le Palatinat. Enfin, l'Alsace, c'est pas obligatoire. Il va falloir le Palatinat, par contre. C'est un peu triste. Beaucoup de provinces de Saxe. Des provinces là-haut encore. Et de ce côté-là, il me faut des trucs. Ah, c'est Cologne le plus proche. Bon, mon vassal est un peu excentré. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, on gagne plein de sous. On verra. Cette mission est disponible car nous sommes la Bavière. Revendiquer le Haut-Palatinat. Le Haut-Palatinat? C'est juste cette province-là? Ou alors j'ai déjà pris le reste? Mais c'est mes alliés, le Haut-Palatinat! Et après, conquérir la base Zouab. C'est ça. Après, il faudra que j'unisse les peuples là. Encore le Palatinat et Mayence. Pour unir les Wilsterbach, on va dire. Et après, il me conseille de prendre ces provinces-là. Conquérir la Françonie. Bon, c'est pas tout à fait au programme. Ils vont jamais monter les Bohémiens et les Salzbourgeois. J'espère qu'ils ne monteront pas jusqu'au bout. Pologne, Autriche, Flandre, j'ai amélioré jusqu'au bout. Non, j'ai même pas beaucoup amélioré. C'est-il pas trop honteux? Quoi? Quoi? Mais qui a disparu? C'est le Brandebourg qui a disparu. Et eux, ils ont choisi Mecklenburg. Pourquoi Mecklenburg? Ils sont pas alliés. C'est pas parce que j'ai pris des territoires et que j'ai fait la paix tout seul quand même.
Parce que... Non, c'est l'inverse. L'opinion est de 122, ils sont de la même religion. C'est peut-être le pays qui est le plus susceptible de voter pour eux. Ah, même le Palatinat, il est passé du mauvais côté. Ah. Peut-être que l'IA prend le pays le plus susceptible de voter pour elle, quoi qu'il advienne. Ah, ils ont la Pologne en deuxième choix. Autriche, puis Nassau. Et Nassau est loin derrière. Autriche, puis moi, puis la Hesse. Autriche, puis moi, puis Bade. Autriche, puis la Hesse. Et la Bavière après. Bavière et Nassau. Autriche, puis le Danemark. Puis le Brunswick. J'aimerais que l'Autriche mette la Bohème en rival. Ça m'aiderait. Alors, hop, hop, ils ont fait leur réforme. Il y a des séparatistes de Hanalt. Ah oui, Hanalt était alliée à la Bourgogne, elle a dû céder sa province à Magdebourg. J'aimerais que la Bohème ne vote pas pour l'Autriche. Qu'elle vote pour qui elle veut. Oh! Oh! Pourquoi j'ai grimpé là tout d'un coup? Je sais pas, mais il y en a deux. Et Mayence, ils sont pas loin. Saxe et Palatina voteraient pour moi. Et Mayence ou Cologne. Ou Mayence ou Cologne de préférence serait susceptible de voter pour nous. Ah, on est déjà à 100. Et ils ont de l'expansion agressive, malheureusement. Qu'est-ce que je peux. À part m'allier avec eux, je sais pas trop quoi faire. Il faut que je puisse renverser l'Autriche, pas n'importe quel empereur. L'idéal, ce serait que je prenne Cologne sous mon aile. Je peux peut-être aussi beaucoup monter avec Mecklenburg. 65. Et de deux cardinaux. Et Geldre voudrait passer. Il est en guerre. Trop contre la Bohème. Non, contre le. Si, si, contre la Bohème. Parce que la Hollande s'est trouvée comme alliée de la Bohème. Et la Bohème a rejoint la guerre. Sans souci. Ce Mérivaux qui se tape dessus. Ils sont 20 000 les bohémiens. C'est pas plus que mon armée actuelle ça. Je peux monter à 19 000. Mais bon, 20 000. Ça fait trop beaucoup. Et la Renaissance progresse. Il y a encore des pays un peu arriérés comme la Castille, l'Angleterre, la Hongrie, la Bohême, la Pologne. Le Danemark a l'air de l'avoir accepté. La Norvège et la Suède sont un peu plus loin. Ah, on va faire ça. Donnez-moi des points plus que de l'argent. Ah, mais Venise, elle perd face à qui? Face à Milan? Milan et Francfort. Défenseur face à Milan dans la conquête milanaise. Reconquête milanaise de Milan. Ah d'accord, alors Venise a réussi à prendre Milan. Et Milan, il pense qu'avec Francfort, il va pouvoir reprendre sa capitale.
Bon, il est gros, mais c'est Venise. Venise, d'habitude, c'est une puissance militaire. Francfort, il m'aime bien. Ça donne quoi niveau vote? 31. Et maintenant, il vote pour la Pologne. Il y a Pologne, Danemark. Il n'y en a plus que deux pour l'Autriche. Là, je suis au coude à coude avec l'Autriche. Il faut que je garde la Saxe de mon côté. Bon, je sais pas quel âge il a, le dirigeant de l'Autriche, mais il est peut-être. Il a 18 ans. L'idéal, ce serait qu'il n'ait pas d'héritier. Je pense pas que l'empereur puisse se nommer lui-même électeur, sinon l'Autriche pourrait le faire. Donc, si jamais je veux être élu électeur, enfin, si je veux être choisi électeur, il faudrait que. Ah bon, tant pis. Oh, c'est l'Autriche qui m'a volé un cardinal. Si je veux devenir électeur, il faudrait que je cède mon titre d'empereur après l'avoir eu juste après l'Autriche. Enfin, les deux succès, il faudrait que je pique le poste d'empereur à l'Autriche, puis que je cède le titre d'empereur à quelqu'un, et que ce quelqu'un me choisisse en tant que électeur. France est en guerre face à la Bourgogne. Je pense que maintenant qu'ils ont perdu deux fois la guerre, une fois contre moi, une fois contre l'Autriche, qu'ils ont perdu tous leurs petits vassaux, la Bourgogne est morte. Ça aurait été marrant de voir une Bourgogne forte, mais c'était une erreur d'attaquer la Savoie, ils auraient pas dû. Clairement. C'est vraiment la fin pour eux. Eux, ils vont finir par obtenir leur indépendance, ça va être marrant. Bon, c'est quand les conflits religieux et tout? J'ai hâte que ce soit la pagaille et qu'il reste plus que quelques pays catholiques. Peut-être que le mieux, c'est encore de laisser l'Autriche gagner. De toute façon, ils sont en train de récupérer tous les sièges. Vous avez une chouette province, vous. Je sais pas quand est-ce que je vais m'en emparer, mais un jour, soyez-en sûr. Je pense que par contre, oh, on est à plus 16, c'est fou. Parce qu'il y a la paix dans l'Empire, ça fait plus 10. 49 États membres de l'Empire. Faut dire l'Autriche vient d'en ajouter 2. Il y a 14 provinces qui sont sous contrôle d'États qui sont pas bien. Est-ce que j'ai envie voir ça? L'empereur obtient et les membres obtiennent agitation moins 2. Oui, je prends. Si l'Autriche arrive à la faire passer. Moins 1 pour la Bavière. Il vote encore pour moi. Mais c'est une arnaque! Pourquoi vous mettez tout le monde sauf moi? En plus, Bad, ils hésitent entre Autriche et Palatinat, quoi. Je crois qu'on va se trouver des nouveaux amis bientôt. Ah, je pourrais tenter de faire élire mon cardinal. Remettre un tout petit point. J'ai cliqué par contre. Ouais. Fin de la trêve avec Augsbourg. Autriche veut dans la réclamation de Brescia par le Saint-Empire contre Venise. C'est une guerre que notre allié a provoquée. Venise-Italie à Florence. Ah, Brescia était à Milan. Mantoue. Et Milan était dans le Saint-Empire. Et l'Autriche se lance. Elle va récupérer ses territoires. Je suis 100% partant. Tapons-les. On va faire un truc là. Hop. Un petit bâtiment. Ils sont en infériorité. Oh, largement. Oh, c'est mes rivaux. Allons piller. Hop, tech de plus qui pourrait me permettre de prendre le aéroticot.
Chers émissionnaires, motif d'impôt pour du désir de réforme. On s'en fiche du désir de réforme. De toute façon, c'est partagé par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura plus de réformés, grosso modo. Et si c'est tout, on s'en fiche un peu. Un peu beaucoup. Pourquoi il me donne le contrôle, là, par exemple? Si je suis pas leader de la guerre, pourrais-je garder le contrôle pour eux? Bon, je pense pas que l'Autriche arrivera à temps à récupérer tous ces trucs, mais... Qui sait? Peut-être? Tous ces trucs, je veux dire. Toutes les provinces qu'il lui faudrait pour récupérer l'Empire. Si déjà, elle est pas intéressée à part Frioul. Ça, j'ai compris. Oh, 22, 20, 22. Super riche. C'est que des troupes autrichiennes, ça? Waouh, ils ont 40 000 hommes. Ça rapporte d'être empereur. Hey, y'a Florence qui s'est pris pour une malade. Venir m'occuper. L'objectif, c'était Brescia. J'ai pris l'objectif. On va le céder à l'Autriche. S'ils le prennent, ils vont le prendre pour eux ou le rendre à Milan. Je sais pas si je préfère qu'ils le prennent pour eux ou qu'ils le rendent à Milan. Peut-être qu'ils le prennent pour eux, ça les rendra encore plus puissants. Ça va beaucoup jouer quant au vote du Saint-Empire. Mayence, je pourrais les avoir. Bon, il y a tellement de votes autrichiens. Peut-être que ça joue beaucoup, au contraire, et que j'ai tort, mais bon. Mais c'est qui l'électeur qui a disparu d'ailleurs? Il y a encore Cologne, il y a encore Mayence, il y a le Palatinat, il y a la Saxe, il y a Trèves, donc il y avait le Brandebourg et il y avait. C'est un pays qui a été mangé il n'y a pas longtemps. Je sais plus. Attendez, elle y est plus Mayence? Je me demande si c'est pas Mayence qui a été mangée puis libérée. Ah non, elle est là. Non, 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 je délire. Je sais pas, mais quelqu'un a été mangé. Qui a occupé une province chez moi, Plissen? Ça doit être Florence. On se débrouillera. Pourrait libérer Mantoue dans le Saint-Empire. Après, il ferait mieux de prendre les provinces pour eux en partant du principe que les membres du royaume d'Italie vont partir. Et les provinces resteront dans le Saint-Empire si c'est l'Autriche qui les contrôle. Mais je sais pas si l'IA est suffisamment intelligente pour raisonner comme ça. Nuremberg. On va améliorer nos relations avec Nuremberg. Partant du principe que j'aurais beaucoup de mal à les manger de toute façon. Du fait qu'ils soient une cité libre. Je pensais que l'Autriche choisirait des alliés à elle. Bon, elle a choisi Bade parmi les gens qu'elle a placés électeurs. Mais au lieu de prendre Bavière ou Savoie, elle a choisi un petit pays. Peut-être que c'est volontaire aussi. Parce que les petits pays sont plus susceptibles de voter pour... Par contre, Bade vient de la quitter. Et bah des électeurs, hein, on est d'accord. Donc du coup, il place Palatina en premier. On va améliorer nos relations avec Bad. Ça nous fera pas de mal. Palatina déclare la guerre à l'Alsace. J'ai déjà entendu ça. Allez, soyons généreux. Cette fois, l'Alsace n'a plus d'alliés.
Alors ça va se finir. Augsbourg, ils sont alliés à Palatina et Ulm. Ça me permettrait de manger Ulm. Et en revanche, j'aimerais pas tomber face au Palatina. Je suis pas sûr du tout d'avoir besoin de la province de Augsbourg en fait pour former l'Allemagne. Bon, être un plus gros pays, ça aide toujours, mais. Ah si, il me faut Augsbourg. Bon, bah. Est-ce qu'il me faut Memmingen aussi? Non. Il faut Augsbourg, il me faut Palatina, il me faut Nuremberg. Et eux, ils sont alliés à Ulm. Ulm, j'en ai pas besoin. Mais Ulm, c'est un de mes rivaux, ou alors j'ai dû les changer? Ah, maintenant j'ai Bourgogne, Bohême et Venise. Venise, je vais gagner des points contre eux. On n'a pas le passage ici. Séparatistes grenadines. C'est des séparatistes qui viennent de Grenade et qui font tout le tour parce qu'il y a un fort qui les bloque. Ils viennent peut-être d'ailleurs de du sud parce qu'ils voient qu'ils ont un trajet possible. Les pauvres, pour se faire écraser. Ils ont fait tout le tour pour tout le tour de la Méditerranée pour se faire tuer à Milan. Quel casus belli. Insulte diplomatique face à Augsbourg. Nous ne pouvons pas déclarer la guerre à un membre du Saint-Empire si nous sommes alliés à l'empereur dans le cadre d'une guerre en cours. C'est vrai. Pour éviter qu'on use bug en quelque sorte. Si l'Autriche prend ces deux provinces super riches, ce sera déjà très bien. J'essaye de me libérer, c'est sympa. L'Alsace va perdre. Ah, il y a Naples dans la guerre. J'avais pas suffisamment dézoomé. Mauvais plan pour eux. L'Aragon est devenu partenaire mineur de la Castille, mais je pense que la Castille, dans une de ses guerres, a libéré Naples. Erreur fatale. Bon, moi je suis pas prêt d'avoir un accès à la mer. Hein. Je suis très proche au niveau de l'Autriche, mais l'Autriche est mon allié. Ah! Oh le cri! Ah! Non! Ils sont là! Les rebelles! On va arrêter de faire des paix sur l'Autriche quand même. Ouais, par contre face aux Napolitains, je sais pas s'ils ont une chance. Le Palatinat, je vois 12 000 et 12 000 qui passent, dans les autres c'est des Français. On va se faire reprendre les provinces par contre par les rebelles. Bon, les séparatistes m'entouraient, c'est pas gênant. On a perdu notre valeureux conseiller. Pourquoi je gagne moitié moins en or? Non, j'ai toujours gagné que ça. Enfin, que ça. C'est bien déjà, mais...
Je pensais que j'ai gagné plutôt 4. Ah ouais, on a perdu l'objectif de guerre. Faut qu'on le reprenne. La Bourgogne. Il n'y a plus que Bourgogne et Brunswick face à la France. France va pouvoir blober sans souci. Oh, wow. A repris ses provinces légitimes. Plus 3 provinces là. Et je crois que c'est tout quand même. On peut vite facilement voir comme ça en fait. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, c'était les provinces légitimes. Si elle a pris cette province là quand même. Que je n'avais pas compté. Ils veulent bien sortir Florence quand même. Ah, je vais perdre mes revendications face à la Bohème. On va les refaire, hein. Au moins 5 sur la Saxe. Les Saxons, on a toujours été des grands amis. Vous vous souvenez pas? Le Palatinat, c'est mais pourquoi ils votent pour eux-mêmes? Parce que quelqu'un d'autre vote pour eux. Peut-être qu'ils me mettront électeur, le Palatinat, s'ils sont élus. Donnons notre accord. Et il y a qui d'autre qui est sur le point de basculer? Il y a Mayence. Et Bad, il est loin ou pas? Malheureusement, oui. Et là, ça m'arrangerait que l'Autriche soit première plutôt que le Palatinat, parce qu'après, le Palatinat vote pour lui. Mayence, on peut réaméliorer les relations, ça va pas suffire. Ah mince, c'est là qu'ils sont les Vénitiens. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode. Tout de suite ou dans une semaine si vous regardez pas si vous regardez les épisodes peu après leur sortie.